Hey, salut à tous, bande de petites trutruffes. Comment allez-vous? Ici, c'est Mister Wouhou. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une application pour accéder à son smartphone plus facilement. Donc ça s'appelle Samsung Dex, il est ici, donc je l'ai déjà ouvert, hein, il est ici. On va le mettre en plein écran. Donc c'est une sorte de bureau, tout simplement. Donc on va pas aller trouver tout, mais j'ai mis un jeu pour lancer. On va pas aller faire une partie, hein, mais parce que c'est trop long. Hein. Mais on va en tout cas lancer pour voir si ça fonctionne et y accéder comme ça. Donc je vais vous montrer, on s'est allé sur Google Play Store, voilà. C'est trop bien, c'est trop cool, c'est quoi ça? Ça a l'air sympa ça. Non, je veux pas la vidéo. Je veux juste le truc. Ah non, c'est de la merde. Donc voilà, on a Google Play Store, on peut aussi aller sur YouTube s'il veut bien. Donc on va aller sur YouTube via à son smartphone. Truc qui sert à rien. Voilà, on va tester une putain de pub de merde. On va essayer de la boycotter. On va spammer pour éviter pour le dépasser. Putain, ils sont chiants avec leur pub. On s'en fout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? What? Hein? Ils font tellement chier que je me foire, moi. Allez! Je sens qu'on va laisser tomber. Putain, mais les pubs dégagées. Ah, voilà. Donc voilà, et par exemple, avec ça, on peut le mettre en plein de fenêtres. Et puis, on peut ça le mettre aussi en plein de fenêtres. Et voilà, ça fait genre une vidéo et tout ça pour regarder. Bon, ici, ça sert à rien, on est d'accord. Hein, ça n'a pas de sens de faire ça parce que j'ai déjà un PC pour ça. Mais bon, c'est rigolo, quoi, si j'arrive à quitter. Donc voilà, ça c'est pour... on peut accéder à YouTube avec aussi sans problème. Alors du coup, ben, pas de problème, hein, on peut accéder, voilà ce que ça vous marque ici quand vous accédez à ça. Comme j'ai dit, je vais pas faire grand chose parce que voilà, c'est pas le but. Et ce jeu là, j'y jouerai pas sur comme ça, je vais plutôt y jouer autrement. Mais voilà, en tout cas c'est sympa. Ça permet d'accéder à son smartphone comme ça. Et c'est cool, pourquoi pas, écoutez. C'est un truc qui est sympa, ça. Donc voilà, ici, par exemple, on a accès à ça. Et par exemple, moi, je voudrais avoir... Donc, j'ai fait une partie il n'y a pas longtemps. Et en fait, je voudrais, par exemple, avoir un héros qui s'appelle... Un héros qui s'appelle Poum Poum Pa. Non, je ne connaissais pas Poum Poum Pa. Mais j'aime bien dire ça parce qu'il est très, très rigolo. C'est lui, notre cher Poum Poum Pa. Poum Poum Pa. Bon, voilà. J'ai fini avec mes conneries. Donc voilà, c'est ce personnage-là que je voudrais. Et du coup, on peut jouer, on peut faire du gaming comme ça avec la flèche. J'ai testé à tantôt. C'est faisable. On peut vraiment jouer et faire du gaming. Jouer. Et du coup, vous pouvez carrément jouer au jeu sans problème. Regardez, ça marche nickel. Donc voilà, vous avez le beau gosse là qui apparaît. Et du coup, vous pouvez tout simplement sélectionner. Non. Ah, ça y est. Ah, ça bug un peu quand même. Bon, voilà. Normalement, ça se joue sur mobile, quoi, et tout ça. Voilà comment on fait en tout cas avec ce jeu. Etc, etc. Bon, on va quitter parce que je fais n'importe quoi. Ah, je peux pas quitter. Oh non, je suis bloqué. Ah si, je peux quitter, clairement. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo là. J'espère que ça vous a plu. En bref, ça sert à ça. C'est sympa comme système pour faire des petites choses. On peut transférer éventuellement des fichiers aussi. J'ai testé à tantôt, c'est faisable. Il suffit de faire juste ça, hein, en fait, hein, tout simplement. Oups.
Et du coup, vous pouvez transférer tout simplement un fichier. Par exemple, regardez, ça marche. Hein, regardez, vous avez vu, ça, voilà, regardez, il y a accès. Hein, il est là. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ces trucs-là. Voilà, parce que j'en ai pas besoin. On aurait pu peut-être éventuellement, voilà, Telegram. Ouais, y a pas de... Oui, image, je vais éviter d'aller dedans. Parce que je sais pas ce que j'ai dedans. Enfin, s'il y a des choses peut-être privées, j'en sais rien. Mes fichiers. Voilà, je peux pas vous montrer comme ça, mais en tout cas, voilà, vous avez vu. Et l'inverse, du coup, ça peut se faire, du coup, comme vous avez vu que ça fonctionne. Et du coup, c'est intéressant. C'est voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo sur Samsung Dex. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà, ça permet d'accéder à son smartphone et jouer sur, faire du gaming via son PC pour avoir un plus grand écran. Sincèrement, pourquoi pas. Même si c'est assez pixelisé, je trouve, j'ai l'impression. Non, en fait, c'est plutôt mon écran qui est de base comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est pas mal. Donc je vous dis à bientôt et j'espère que cette vidéo vous a plu, si vous a plu et vous a intéressé, si vous cherchez ce genre d'informations ou pas. Bonne journée, bande de trutrus.